Bienvenue dans ce moment de retour à vous-même. Bienvenue dans ce voyage intérieur dans lequel je vais vous guider, vous accompagner avec ma voix pour que vous puissiez vous installer en vous, dans un espace de sécurité, de stabilité, autant que c'est possible et même plus encore. Alors simplement, vous vous laissez ressentir. Comment vous êtes à cet instant? Nous ne partons toujours que de là où nous sommes à l'instant T, ici et maintenant. Avant de partir en voyage, voilà. Vous faites comme un état des lieux de ce qui est là maintenant. L'ambiance intérieure, les émotions, les pensées, les sensations. Ressenti, les images. Contemplez, contemplez ce qui est là, juste là, maintenant, sans vouloir rien changer. Acceptez ce qui est détendu en vous, acceptez ce qui est tendu en vous. Accueillez et acceptez ce qui est ouvert en vous et ce qui est fermé. Ce moment est le résultat de tous les moments antérieurs que vous avez expérimenté, vécu, ressenti. Alors accueillez, accueillez le résultat qui est là en vous, accueillez le résultat que vous êtes, accueillez la réponse que vous êtes à cet instant, à toutes les questions antérieures qui étaient là. Contemplez, accueillez, tout en sentant que cela respire en vous, comme cela respire.
Contemplez, contemplez ce qui est là en vous, ce qui circule en vous, sans vous identifier à ce qui est là en vous. Sans dramatiser. Sans dramatisation. Et pour cela, simplement contemplez votre respiration. Sentez que cela respire en vous. Chaque inspire, chaque expire. Et vous devenez témoin de ce qui est là en vous. Autorisez-vous à lâcher toute forme d'identification. Vous n'êtes pas vos pensées, vous n'êtes pas vos sensations, vous n'êtes pas votre corps, vous n'êtes pas vos pensées. Devenez spectateur, spectatrice, témoin, en sentant que cela respire en vous. Cela inspire en vous. Cela expire en vous. Vous devenez pure présence, pure contemplation, pur accueil. Vous laissez être, vous laissez circuler. Comme pour vous installer en vous, dans un espace calme, ouvert. Comme si vous preniez là du recul intérieurement. Par rapport à tout ce qui circule en vous. Par rapport à tout ce que vous n'êtes pas. Vous n'êtes ni vos peurs, ni vos croyances, qu'elles soient positives, constructives ou limitantes. Vous n'êtes pas vos humeurs. Dans le grand théâtre de la vie, vous interprétez parfois des rôles de composition.
Et parfois, vous vous attachez à ces rôles dans ce grand théâtre. Imaginez, ressentez, vous êtes dans la soirée des Oscars ou des Césars à cet instant. Il y a peut-être là comme une remise de prix. C'est vous qui allez être là-bas, 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 oscarisé, césarisé. Pour les interprétations que vous avez su donner à des expériences de vie, des relations, sentez que cela respire. En vous déposant sur ce siège-là sur lequel vous êtes installé, vous pouvez vous détendre davantage. Comme pour laisser aller les rôles anciens. Vous vous installez dans un espace de vous solaire. Lumineux, tranquille. Comme si vous vous installiez sur une planète, votre planète, illuminée par le soleil. Prenant encore davantage de recul par rapport à tous les rôles que vous avez effectués, que vous effectuez sur la Terre, au quotidien. Tel peut-être le petit prince. Installez-vous intérieurement sur votre planète. En toute sécurité, en toute liberté, accueilli par la lumière, accueilli par vos guides, accueilli par les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés. Devenez ce petit prince, cette petite princesse, qui est à la fois roi, reine, quand vous vous réinstallez sur votre planète, intérieurement, là où vous recontactez tout l'espace de la sagesse de votre cœur et de votre âme. De votre essence initiale. Accueillez. Ouvrez-vous aux nouvelles images, nouvelles sensations, comme de nouvelles compréhensions. Comme cela est pour vous, là, à chaque cycle de votre respiration.
accueillez, accueillez tout ce qui circule en vous. Là, chaque cycle de votre respiration. En même temps que la lumière du soleil est là avec vous. Tandis que vous vous installez davantage encore sur votre planète intérieure. Accompagné de vos guides, des anges, des archanges, des maîtres ascensionnés. Vous rapprochant de votre essence de lumière, de sagesse, de conscience éclairée. Tandis que tout ce que vous avez vécu sur la terre se met comme à distance. Que vous puissiez retrouver davantage de respiration, de discernement, de lucidité, de détachement juste. Accueillez, ressentez, tandis que votre cœur s'allège des lourdeurs et que votre mental s'allège aussi des lourdeurs anciennes et que votre corps aussi s'allège des lourdeurs anciennes. Accueillez en sentant que cela respire en vous. Accueillez le meilleur pour vous. Là, juste là.
Et ressentez, ressentez, imaginez. Vous êtes sur votre planète. Chaque être humain est sur sa planète, tout en étant sur la planète Terre. Et vous accueillez la lumière du soleil. Ressentez, imaginez que la lumière du soleil vous envoie son sourire. Comme si la lumière du soleil souhaitait chatouiller votre aura, vos cellules, pour que vous puissiez renouer avec un nouveau rire, depuis un nouveau souffle à l'intérieur de vous, depuis cet espace de recueillement intérieur. Accueillez la lumière du soleil qui vous offre sa générosité. Comme des guilis-guilis que la lumière souhaite vous faire, oui, dans votre corps énergétique, dans votre aura, et jusqu'au cœur de vos cellules et dans l'ADN, et au cœur des cellules. La lumière qui est comme votre boussole pour que vous puissiez cheminer avec plus de clarté dans votre vie, avec plus de confort. Ressentez la lumière qui vient vers vous, tout autour de vous, comme autant de bisous, de tendresse, d'amour, comme des cadeaux stimulant votre art d'être en vie, incarné sur la terre, en dehors de toute identification, en dehors de toute dramatisation, en dehors de toute culpabilisation. Aspirez la lumière. Accueillez la lumière dans le ressenti comme un nouveau délice exquis qui vient faire sourire, rire vos cellules, jubiler vos cellules.
à cette étape du millénaire, à cette étape du cycle de votre vie sur la terre, dans ce millénaire. Tandis que cela respire en vous et que vous vous rapprochez intérieurement de toutes vos ressources lumineuses. Accueillez, ressentez, goûtez.
Imaginez, ressentez que vous êtes, que vous devenez tel un arbre et même tel un totem ancré à la terre, dans la terre, sur cette planète qui est aussi votre planète. Même si vous venez d'autres régions énergétiques de l'univers, ressentez, imaginez, devenez totem dans votre verticalité, imbibé de la lumière du soleil. Qui vous envoie son rire jusqu'au cœur de vos cellules. Pour que vous puissiez être davantage, oui, dans le confort, dans vos activités, dans vos créations, dans l'expression de qui vous êtes, au-delà des jugements, au-delà des dualités. Ressentez, imaginez, vous êtes arbre totem, gracieux, déployé, émanant votre couleur, votre parfum. Et tel Pinocchio qui est comme animé par une main aimante, un regard aimant. Vous, totem, arbre totem, laissez-vous devenir tel un être animé, debout dans votre verticalité, déployant votre art d'être au monde. Aligné dans votre animalité et dans votre humanité et dans votre divinité. Aligné dans votre corps physique. Et dans votre cœur. Et dans votre esprit, et dans vos corps subtils. Comme si l'animation devenait maintenant partie intégrante de la globalité de votre être pour être dans un mouvement harmonieux, cohérent, enrichi de qualité,
de compétences, de ressources. Accueillez votre souffle. Accueillez la lumière. Respirez la lumière. Goûtez à ce moment quand vous vous ouvrez à une nouvelle compréhension de vous-même et de la vie. Lorsque vous vous ouvrez là, oui, à un nouveau souffle créateur. Au cœur de votre solitude intérieure, riche de relations qui pourront devenir davantage constructives, épanouissantes, harmonieuses, lucides. Accueillez, goûtez, ressentez au meilleur pour vous, là, à chaque cycle de votre respiration, pendant 5 minutes de temps d'horloge.
Accueillez encore un moment tout ce qui monte en vous, comme de nouvelles prises de conscience, de nouvelles décisions inspirantes, inspirées. Vous qui n'êtes pas de bois, mais qui êtes un être de chair, d'os, de muscles, empli de vie, de mouvement, de fluidité, de flexibilité, d'harmonie, de créativité. Accueillez encore un moment le meilleur pour l'équilibre de votre être et de votre vie, et pour l'unité de tous les aspects de votre être et de tous les secteurs de votre vie. Au nom du Un, sur la Terre, dans l'univers, tandis que cela respire en vous. Goûtez encore un moment, tandis que ce jour est le premier jour de tous les jours que vous allez vivre désormais, avec de nouvelles qualités intérieures, automatiquement disponibles désormais, pour œuvrer dans le concret de vos vies respectives, pour amener davantage votre couleur personnelle, votre parfum personnel, votre texture personnelle, là où vous passerez, pour votre plus haut bien et pour le plus haut bien du plus grand nombre.
Alors ressentez votre corps physique. Retrouvez les contours de votre corps physique. Tous vos organes sont là, bien à l'abri, à l'intérieur de cette frontière naturelle qu'est votre peau. Et vous regoutez à la liberté de votre souffle qui circule. Et vos oreilles s'ouvrent à nouveau vers le monde extérieur. Vous êtes là sur la terre. Et je vous invite à prendre plusieurs grandes inspirations. Et votre corps va pouvoir se réveiller. Vous pourrez même vous étirer, bâiller, saliver, déglutir. Vous êtes au cœur de l'air. Vous bougez au cœur de l'air. Vous vous étirez au cœur de l'air. Vous rouvrez les paupières. Et la distance entre chaque objet, chaque personne, est remplie de l'élément air, de molécules d'air remplies de lumière et d'amour, de tendresse, de sourire. Voilà, accueillez encore un moment cette ambiance, paupières relevées. Vous accueillez ce jour et ce jour vous accueille tranquillement.